mot signifie. Merci à vous les amis de nous avoir suivis. Nous on est ravis. Hakuna Matata. Bonjour. Avant qu'on commence le journal, une petite explication. Hier, nous avons été piratés. Il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour mon fils en disant que c'est lui qui faisait tout dans le journal. C'est complètement faux. À mon avis, vous n'êtes pas prêt de revoir cette personne. Les confinés parlent aux confinés. Bonjour à tous, c'est notre dernier journal aujourd'hui. Oh, notre dernier journal! Je peux faire un petit coucou à mes copains? Non, on a des rubriques à envoyer, c'est pas télévision de Manon. Hein. Oh, bon bah si c'est ça, passons tout de suite à la rubrique de Madame Piblet. Bonjour à tous, comme vous pouvez vous en apercevoir, il règne un silence impressionnant. En effet, aujourd'hui, la météo sera bien triste, puisque le soleil ne va pas se lever. En effet, c'est l'éclipse totale. Je vous souhaite une excellente journée, et comme il fait nuit, restez chez vous. A bientôt. Alors c'était comment ces vacances au Confinistan, ça t'a plu du coup? Oui, on a fait beaucoup de choses. Ah bah oui, et tu sais que tu repars lundi faire un nouveau voyage? Ah bon? Oui, à l'école, à la Maisonie. Bah ça c'est un pays, par contre les parents, ils détestent. Hein. Bon, je vous propose de rejoindre la rubrique... Rue sport avec les confis sportifs, c'est moi qui l'ai dit. Non mais je t'avais dit quoi, c'est pas possible. La rubrique sport. Ah ouais, non mais carrément, hein. En ce moment, j'ai grave la patate. Le feu, je te dis, le feu. Oh, salut les confis sportifs, c'est Davina qui vous parle. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit défi. Il va falloir faire une tour de papier toilette, la plus haute possible, mais tout ça en gainage planche, je vous montre. Alors, je me mets en gainage, hop, voilà, en gainage, je restais comme ça. Et le but du jeu, ça va être de mettre les rouleaux de papier toilette les uns par-dessus les autres et de faire la plus haute tour possible sans la faire tomber. Alors attention, je me lance dans le défi. On va voir combien j'arrive à empiler de rouleaux de papier toilette. Attention, pas le droit de poser les genoux. On a le droit de changer de main par contre pour s'équilibrer. Alors attention, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 rouleaux de papier toilette. Allez, à vous de me battre et dans tous les cas, envoyez-nous vos scores, comme ça on les notera et on ira le meilleur score. Voilà, à plus tard les confinés. Salut les confis sportifs, alors on se retrouve aujourd'hui pour le dernier jeu d'opposition des vacances où le but du jeu aujourd'hui ça va être d'imiter un 110 mètres haies. Un 110 mètres haies, qu'est-ce que c'est? C'est une course avec des obstacles au milieu. Donc pour faire ça chez nous, on va nouer ses chaussures entre elles et on va faire un petit parcours en ligne droite, vous pouvez faire, sur lequel vous allez mettre des objets. Donc moi j'ai mis des bouteilles d'eau et le but ça va être de faire la course avec les pieds noués et d'enjamber les obstacles. Le premier arrivé au bout de la course, il a gagné. Je vous fais un petit exemple, je vous montre tout de suite. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Je tenais dans cette dernière vidéo à vous remercier pour nous avoir suivis pendant ces 2 semaines. J'espère que vous êtes amusés, que vous essayez de faire le maximum de défis. On espère tous vous revoir très vite et on espère à cet été. Allez, salut les enfants. Fini l'exploitation des enfants. On a repris le contrôle de la maison. Vous pourrez retrouver des vidéos bonus sur notre chaîne YouTube. Merci de nous avoir suivis. Et également d'avoir participé. N'oubliez pas, restez chez vous. Et nous donnons les mots de la fin à Madame Piblet. Chut, faut pas faire trop de bruit. Je raconte une histoire. Ah, reviens.
C'était bien, hein, dis donc. Oh, comment on s'est amusé. Oh là 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 là. On n'y croyait pas. Hein. C'est vrai qu'au départ, c'était un peu le truc de fou. On le disait, hein, dès le début, ça allait être sympa. Oh, t'as vu, c'est toi dans la photo. Wow, trop marrant. Bah oui, t'étais là. Ah là 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 là, sacrée aventure. Hein. Oh, oh là 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 là. J'adore, j'adore. Que des souvenirs. Tu crois qu'un jour, on referait la même chose? Ah bah non, si, non, non. Pas en mode confinement. Hein. Oh là 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 là. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, puis tout le monde a joué le jeu, c'était génial. Il y a eu un engouement, non, pas un enrouement, un engouement. Ça veut dire que tout le monde s'y est mis, avec toute l'énergie possible et imaginable. Franchement, trop bien. T'es content? Oui, t'es content? Oui. Donc l'histoire est finie, d'accord? On va fermer le livre, et puis on pourra la relire un autre soir, la petite histoire. D'accord? Allez, on dira au revoir à tout le monde. Au revoir les gens. À bientôt. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Ben, je sais pas. On a qu'à laisser là jusqu'aux prochaines vacances. Ouais, c'est une bonne idée. Voilà.